Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue pour cette célébration de l'Eucharistie. J'aimerais tourner vers nos enfants que pour la première fois vont recevoir la communion. Je vous souhaite bienvenue dans cette messe. Recevoir la communion, c'est venir aussi recevoir Jésus par sa parole et d'aller partager, communier, se recevoir et en même temps aller partager avec ceux et celles qui attendent ce Jésus que nous recevons à travers sa parole. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous tournons vers le Seigneur pour vous confier et remercier le Seigneur aussi pour tous ceux et celles qui vous ont accompagnés jusqu'ici, jusqu'à ce rendez-vous autour de cette table de l'Eucharistie. Nous célébrons aussi aujourd'hui la fête du Christ, roi de nous, celui que nous allons recevoir dans le sacrement de la communion. Chers enfants, chères familles, par voici. Avant de se confier pleinement dans cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son pardon, de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère pascal de ton Fils unique, tu as accompli la rédemption du genre humain. Nous t'en prions humblement, puisque dans la célébration de ce sacrement, nous annonçons avec foi la mort et la résurrection du Christ. Fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. En prison et vous êtes venus jusqu'à moi.
Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et les anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre au service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.